I can't believe it. A 50. Come to Vim, mon ami. Hey, a 54 Hudson Super 6, man. They only made this. They only made this front end 1 year. The body they made several years. Puis Guillaume, by the way, à ce temps-là, il y avait aussi un. Ah, c'est vraiment un cold start, hein? C'est quand est-ce la dernière fois que tu l'as parti? Une semaine? Deux semaines? Quelques jours? Vendredi. Ça, c'est-tu un starter Bendix, probablement? Oui. Ouais. I love that sound. Tout ça, on voit que c'est une belle voiture, mais qui devient de plus en plus difficile à faire fonctionner. Ouais. Yeah, c'est ça le prix, là, tu sais. Ça comme vieillit si... pas toujours bien. C'est comme si t'es un Tucker, là, tu sais. T'es-tu dans un club de Hudson? Non. Non? Nulle part. Parce que ça pourrait quand même t'aider dans le futur pour des pièces aussi, hein. Moi, j'ai parce les adresses, que... j'ai tout, là, mais... Il y a moins de... Moi, je m'arrange avec le... L'ancien garagiste du village. Hey, this is a hell of a surprise. Moi, je m'ai pas attendu que tu ouvres la porte. Je me dis, ah, alors, il va avoir un Chrysler ou quelque chose. You know? Puis ça, c'est cool parce que même toujours les Chrysler produits Chrysler, c'est toujours plus rare que GM ou Ford. Dodge, Plymouth, DeSoto. J'ai eu un DeSoto, hein, brefement. Un 59 Fireflight. D'accord. Ça fait en 2007. Mais comme je t'ai dit, je suis mieux, fait que ça donnait rien de le garder. Man, that's a big six cylinder. Flathead. Ouais, Guillaume, pourquoi j'aime ça, hein? Hein? C'est tellement une époque différente complètement. Je vais prendre le son de l'arrière. Wow! Non, pas de catalyseur. Pas de catalyseur, c'est quoi l'autre? Do you have a catalytic converter? And c'était quoi l'autre affaire qui mettait aussi ses chars? Je me souviens pas c'était quoi. Look at the way they did the windshield here. Look at that. Look how they put a... there was a V-point here. Oh yeah, and then there's the 48 there, right? 48? C'est ça, moi j'ai dit 49. Wait a minute, is it green or is it gray? Non, regarde, c'est mon appareil, il montre qu'il est vert. Ouais, mais il est comme il est vert. Il est vert? Ah oui, il est vert. Je pensais qu'il était gris. C'est juste pas la même teinte, là. Juste le froid. Fait que Régis, est-ce que ta couleur préférée, c'est vert sur un char? Non, pas du tout. Non, hein? Pas du tout. Pas du tout. Là, t'as juste, le throttle ou quoi? Les gros feuilles du hasard, elles ont été achetées comme elles. Parce que vert, c'est ma couleur préférée. Puis apparemment, ouais. Ils disent que le vert, c'est la couleur du génie. Really, hein? Ouais, ben ça peut changer, là, tu sais. Quand j'étais carrossier de métier, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est vrai, parce qu'on devrait être restauré en état, puis... Ouais. Ou, non, il pourrait avoir la même scanner, c'est juste que la vitre d'admission, l'intake. Amazing. En 51, il y a un cardu sur l'intake, et 52, 53, 54, il y a deux cardus. Ok, watch out, guys. Ouais. Attention, hein. Oh! Il n'est pas encore sorti de l'année. Ben, il l'a starté vendredi, vas-y. Yeah, he said he started it on Friday. Look at this beautiful thing, man. This is a hell of a surprise. Wow. Here I am with my stepsister and her boyfriend. We're 10 minutes away walk from the chalet that my mother and, you know, my dad rented, my stepfather. And we saw an old car here. This old Chevy over there, and we go knock on the guy's door, we talk to him, and also my stepsister wanted to pick some mushrooms, you know, for cooking, obviously, and look at this surprise, a 54 Hudson Super Wasp, Hollywood even on top of that, and the gentleman here we met here, I mean, he's like me, he knows this stuff,
He's a complete fanatic of old cars. He's a fanatic of cars that are unusual and rare. I mean, the guy's got two Hudsons and a 42 Chevy. The Chevy, he only probably bought it because it's a 42, and the 42, they stopped production in February because of the war effort. So every car from 42 is very rare. Look at this interior, man. It's like 1954. Okay, this is redone here. No, it's original. That's original? It's all original? It's only mine. Well, I mean, so you have, that's nothing, the little thing, you know. Look at that, eh? Radio? Radio? Heater, chauffeur? Oui. Spotlight? Check. Hey, look at the old heater. Look at this. Holy shit, man. That's incredible. Je te gâche 100 piastres, ton film préféré, c'est American Graffiti. Non. Driving Miss Daisy. What a car, man. Oh, yeah? What a car. What a car, man. Unbelievable. Est-ce que tu avais fait peinturer les rims rouges ou c'était comme ça? Oui, alors ça, c'est des jaunes de mon 48 parce que j'ai fait le même. Oh, yeah? Donc, j'ai remis les roues. Oh, he changed the wheels on it. Yeah, that's right. So this. It's not the original rims. It still looks really cool, though. Oh, yeah, this car is really an older restoration, that's for sure. Long time ago. You can tell it's in driver condition, the rust here. Look at all the rust there, you know? Jesus, a fucking 54 Super Wasp Hollywood. Combien tu penses qu'exactement ce modèle-là ils ont fait? Est-ce que tu sais? T'as-tu jamais fait le recherche? Ça a été fabriqué en avril 2005. Ton air, je les avais achetés. Non, non, mais je veux dire en total de ce modèle exact, Hugo Hardtop. Je vais l'écouter à l'intérieur. Moi, je prendrais un guet probablement quelque chose comme maximum 3000 environ. Yeah, something like that, give or take. Yeah, c'est fun. Yeah, regarde comment c'est grand la porte pour le gaz. Look how huge it is. Tu mets ton bouchon, tu le mets à côté. Ouais. Tu Ah, t'as pas besoin de. Oh, where's the cap? Where's the cap? You know. Les feux arrière, c'était copié sur le Cadillac 54. Amazing. Et puis la OK, vas-y. Oh, this is a nice surprise. Talk about a time warp to film this on a. Unpaved country road. Outstanding. This is a hell of a surprise. Big old six-cylinder. Hein, c'est comme vous dites, vous autres, les Français. Hein? Ça, c'est de la bagnole. Hein? Mais, hein, you know? Hey, take care, mon ami, encore. Hein? Hey, stay cool. Thanks. Bye.